Salut à toutes et à tous, c'est Tazi. On se trouve pour un tout nouveau tuto, donc ça va être un tuto pour le quad YFZ. Donc pour ceux qui l'ont vu, il est déjà sorti depuis un petit moment, mais je comptais faire un tuto quand même parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé des tutos justement pour tout ce qui est quad. Alors faut savoir qu'il y a le Bunchy qui va sortir très prochainement, ou peut-être pas, je sais pas encore exactement. J'ai vu qu'en tout cas quelqu'un était dessus, donc voilà, j'espère vraiment vraiment qu'il sorte. Grosse dédicace à Godboy qui lui a mis en avant ce mode en tout cas. Il sera peut-être payant, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas on espère qu'un jour bah, il apparaît sur le jeu quoi. Donc comme dit pour les quads, pour ceux qui sont intéressés, il faut savoir que malheureusement les roues ne tournent pas parce que bah, du coup c'est pas un jeu étudié pour avoir 4 roues mais bien 2. Donc c'est pour ça qu'on aura ce problème là. Faut savoir que le mode est pas très travaillé finalement, mais enfin voilà, pour ceux que ça intéresse, ça peut être vraiment intéressant. Bah, pour ceux qui aiment vraiment les quads, ça peut être vraiment intéressant parce que bah au fond bah, il fonctionne quand même dans le jeu et puis il est esthétiquement assez beau quand même. Donc voilà, bref, on va pas s'attarder sur ça. Si le mode vous plaît, bah, ça va vous plaire. Donc voilà. En gros, on aura un dossier YFZ. Donc, faut savoir que je vous mettrai le lien dans la description, mais vous pouvez le retrouver aussi sur mon Discord directement. Voilà. Donc YFZ. Et une fois dans ce dossier, en fait, on aura simplement un dossier YFZ. C'est le dossier bike, en fait, hein, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les documents de PC, Pivoso, MX Bike, Mod, Bike, tout simplement. Et on va glisser le dossier YFZ dans le dossier bike. Tout simplement, une fois ça fait, c'est déjà terminé, on va pouvoir lancer son jeu. Je vais quand même vous montrer la catégorie à choisir. C'est pas très compliqué, mais bon voilà, ça peut en aider. Ça ferait, ben voilà, ça fait plaisir quoi. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Donc là, j'ai réouvert cette chaîne depuis quelques jours. Faut savoir que c'est une ancienne chaîne que j'ai récupérée, donc si elle date un peu, enfin si la date de création de cette chaîne est plus élevée, c'est normal. Mais voilà, j'ai récupéré en fait une chaîne que j'avais déjà. Et puis voilà, j'espère vraiment, enfin ça fait vraiment plaisir pour ceux qui soutiennent. J'ai quand même, on est parti de 248 abonnés à 380, presque 400. C'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal, il n'y a pas à dire. Comme dit, on va voilà, refaire les choses bien et remonter doucement mais sûrement. Merci en tout cas pour ceux qui me soutiennent et qui m'ont envoyé des messages par rapport au fait que bah, j'ai plus de chaîne. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Merci vraiment pour toute la famille. Donc en fait, on aura tout simplement une catégorie qui s'appellera YFZ450. Et une fois ça, bah, une fois que vous sélectionnez cette catégorie, vous pourrez tout simplement accéder au mode comme d'hab quoi. Je vais faire pas mal de tutos. Je vais essayer de faire en sorte de créer des gros packs en fait pour réunir tout ce que j'ai pu proposer sur ma chaîne YouTube auparavant. Voilà quoi, je vais essayer de faire en sorte que de tout réunir en fait, tout simplement pour éviter de devoir sortir genre 100 vidéos en très peu de temps. Donc voilà, on est le mode, il est juste ici. J'ai pas vu s'il y avait des kits déco, et non, il y en a pas. Et donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude, ça fait plaisir. Merci pour le soutien, et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Ciao.